Good morgen, allez, Iden, les suisses aujourd'hui le Lunishmat, Dov ben Yudit, Eviataramra, Ben Chedvachaya, Esther, Bat Miriam, Mitzrak Perez, Ben Fortuna, et Shimon, Ben Esther. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Shabbat, Perek, Chet, Mishnah, Vav, Etzem, Kede, La Sot, Tarvad, Abiyoda Omer, Kede, La Sot, Mimenu, Chaf, Zchuchit, Kede, Ligror, Bo, Rosha, Kirkar. Tzror o even kede lizrok ba'of. Abelezer ben Yaakov omer kede lizrok ba'behema. On continue à découvrir les quantités requises pour chaque élément pour être condamnable sur l'interdit de Shabbat. C'est-à-dire, porter à Shabbat, c'est un interdit. Pour chaque chose que l'on porte, il faut une quantité conséquente, importante, qu'il est d'usage de conserver, parce que ça peut toujours servir. Dans le bâtonnerie ici, précise un petit détail un peu mieux, il va changer un petit peu l'optique. C'est-à-dire, quelque chose que si on le trouve dans la rue, on le ramasse comme ça, on le lave, on le garde pour au cas où on en aura besoin. Donc chaque chose, on s'intéresse à savoir à partir de quand on garde ces choses-là. Etzem, celui qui va trouver un os, kede la sot tarvad, de quoi faire une cuillère. Un os, j'imagine, un os d'animal, pas d'homme quand même. Et de quoi on va faire une cuillère? Parce qu'à l'époque, il faut vivre un petit peu avec l'ambiance de l'époque où on n'avait pas tout ce modernisme qu'on a, où il y a tellement, d'abord avec le plastique, et puis ce recyclage de tous les matériaux, et les manières d'extraire toutes sortes de minéraux et tout ça du sol. À l'époque, c'était beaucoup plus préhistorique. Et il y avait donc du coup, on faisait avec les moyens du bord. On sauvait tout, petits morceaux de peau, ça pouvait servir pour faire plein de choses. Et là, en l'occurrence, les cuillères, ben, l'usage était assez fréquent dans la grande rencontre. Ils faisaient des cuillères avec des os d'animaux. D'accord? Ils prennent un os. Et donc, la Mishnah m'enseigne, Etzem, un os, quelle est la quantité d'os, la taille d'un os minimal requis pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat? Un os. Il faut qu'aider la sotte tarvad. De quoi pouvoir faire avec cet os-là une cuillère. On le creusait, on la finissait, et puis on en fabrique une cuillère. Ensuite, Rabbi Odomer, il nous dit non, pas une cuillère. Qu'est de la sotte mimeno chaf? De quoi en faire une chaf? C'est une dent de clé. D'accord? Aujourd'hui, on fait ça naturellement avec le fer, elle est bien taillée. À l'époque, on disposait des dents, on lui rajoutait en plus, sur le morceau de métal, on lui rajoutait dessus des petites dents qu'on utilisait de l'os, quoi. Comme ça, il rapporte selon Rabbi Oda. Zchuchit, un morceau de verre, que deligror bo roche akirka. Alors là, c'est un peu délicat, j'ai pas vraiment compris dans les détails comment ça se présente. C'est que le métier à tisser, c'est la grande machine sur laquelle on fabriquait le tissu. Il y avait les tissus du ch'ti, on aura l'occasion d'en reparler encore, les tissus du ch'ti, de la traîne et chaîne et trame. Excusez-moi. Il y avait des fois, en tout cas, concrètement, il y avait des fois où le tissu, il était un peu trop tissé, et puis, je sais pas, il prenait un bout de verre pour un petit peu couper un petit peu certains fils, et ça fait que le tissu se détendait. Comme ça, j'ai plus ou moins compris. Je traduis littéralement ce que je comprends du Bartanora, peut-être vous allez mieux comprendre que moi. Kirkar, donc le kirkar, c'est le terme qu'on est en train de découvrir. Shel Orgin, de ceux qui tissent le tissu. Ou Maaviro à la Sheti, et il le fait passer sur le Sheti. Le Sheti, c'est les fils de chaîne qui sont tendus. Chehu Matuar, quand ils sont tendus, les Fanav. Veshovet Bachutim. Veshovet Bo Achutim. Je sais pas ce que veut dire le mot chauvette en fait. C'est-à-dire qu'il le frappe, qu'il le coupe un peu, je sais pas. Voilà. Et je continue maintenant. Tror O Even, maintenant. Quelle est la taille minimale d'une pierre qu'il est d'usage de conserver parce que ça peut toujours servir de nouveau? Tsror o Even. De nouveau, on trouve des pierres de notre époque de partout parce que c'est normal avec nos moyens de transport. On transporte des camions qui viennent, qui font des coulées de béton. Et du coup, d'accord, mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on pouvait garder aussi, un caillou. D'accord? Tsror o Even, un caillou ou une pierre. Donc, quelle est la taille minimale qu'il est d'usage de conserver? La Mishnah m'enseigne qu'était les autres bof, de quoi jeter sur une volaille. D'accord? Je ne sais pas dans quel but spécialement il faut lui jeter une volaille. Soit pour la capturer, soit pour la faire fuir plutôt, j'imagine. La reprendre, je ne sais pas, la faire fuir. Eh bien, donc en fait, quelqu'un qui trouvait un petit bout de. Qui avait une pierre dans la maison, s'il avait une pierre conséquente pour la jeter
sur la volaille pour ne pas qu'elle lui rentre par la fenêtre ou peu importe, eh bien, dans ce cas-là, il était usagé de la garder. Donc, si on, porte si on transporte une pierre pareille à Shabbat, on transporte son interdit de porter à Shabbat. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Kedelizrog, Babema. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit non, 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 non. Laisse tomber l'histoire de la volaille, c'est pas la peine pour une volaille, on peut, il y a d'autres moyens. Mais par contre, de quoi la jeter sur une Behema, sur un mammifère, sur du bétail, pour la rappeler à l'ordre, pour lui dire de venir, pour lui faire partir. Alors il fallait prendre une pierre un petit peu plus grosse. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.